Sengo, Sengo qui va bien passer, oui, ça ne sortira pas en touche. Wilfried Sengo qui continue de s'emmener ce ballon pour Lazare Amadi. Là c'est bien joué, c'est bien sorti de la part de Wilfried Sengo. Nicolas Pepe pour Wilfried Sengo, ça combine bien le centre pour bien poteau. De risque et là le centre puissant dans la surface de réparation et Brian Rodriguez qui s'était replié dans sa surface, trompe littéralement son gardien, il a glissé, il a son pied d'appui s'est dérobé et a obligé à tromper, qui s'est sacrifié, qui a sacrifié ses stats, son apport offensif. Attention, Garesqueta pour partir la passe en retrait pour l'égalisation à la 77e minute. C'est cet homme, Federico Vignas, qui à son équipe et même de revenir dans la partie. Regardez ce centre. Alors il fait de prendre la profondeur et tout de suite il revient et il prend à défaut, alors qu'Arasqueta lui a réussi à trouver Canobio. Et regardez cette gestuelle de l'attaquant, c'est un geste de pur attaquant de fin limier. Et ce ballon qui transverse, qui transperce. Oui, Keita qui sont beaucoup plus défensifs, qui sont beaucoup plus dans la conservation que dans le jeu en profondeur pour mettre en danger les équipes adverses. Et ce ballon pour Adingra, le petit pont d'Adingra sur Ugarte. Pourrait être sur cette action. Et c'est parti, c'est levé au second poteau. Gela! On revoit cette action, il se libère totalement de Canobio. Et regardez cette patte droite qui va gifler ce ballon. Regardez, il y avait même pénalty. Si on était au basket, c'était plus la faute, un panier, plus un lancer franc. Mais là, il n'y a pas de plus un. Il y a plutôt un geste magnifique. Le génie, tout simplement, de cet homme-là. Que la douée